Le dynamisme et l'efficacité du nouvel exécutif communal de Tchang sous la houlouette du maire M. Kemlo Jackie Gabriel ne sont plus à démontrer. En effet, par son courage, la commune de Tchang en particulier et le département de la Maine-Noire en général bénéficient depuis le début de la crise sanitaire liée au Covid-19 de beaucoup de matériel et des produits de première nécessité. Hier, mercredi 22 avril 2020, l'entreprise Azur SA du groupe Nana Bouba a offert à la commune de Tchang un dispositif d'une valeur inestimable pour barrer la voie au Covid-19. Parce que vous savez que pour le moment, c'est le partenaire historique. Parce que je vais le dire ainsi, peut-être que vous ne savez pas, je suis le secrétaire général des raffineurs du Cameroun. Chaque fois qu'il y aura un problème que nous allons constater ensemble, merci. Vous l'avez si bien dit, le maire et le président du comité de gestion de l'hôpital. Nous étions ensemble hier quand le préfet instruisait qu'il faut intensifier la prévention. Merci. On ne veut même pas que les gens entrent ici étant malades. Donc si d'ici il y a un souci, il faut que ce soit déjà connu. 10 kits de lavage de main avec pédale, 30 cartons de savon de 400 et 180 grammes, 8 cartons de gel hydroalcoolique et une bonne quantité de cache-nez de bonne qualité. Par la suite, le maire en personne et son équipe se sont chargés de les distribuer et de disposer ces kits dans des endroits stratégiques de la ville pour permettre à toute la population d'en bénéficier. Il s'agit de l'hôpital de district, de l'entrée de l'université, de l'hôpital des sœurs, de l'entrée du marché B et de l'entrée de la nouvelle gare routière de la ville de Tchang. Satisfait de ces gestes, toutes les couches de la population manifestent leur joie. Il y a longtemps, je le débrouille avec la moto pour le moment, en attendant que la voiture puisse parce que les activités ont été stoppées. Mais déjà, j'encourage l'initiative de l'hôpital de placer les stands dans les carreaux. On peut qu'ensemble, nous sommes en train de se faire on travaille ici à l'entrée campus. Je pense que le geste que M. Lomé a fait, c'est un bon geste. Ça va faire diminuer la maladie du Covid-19, surtout au milieu universitaire comme ici. Là. Il a fait. Donc ça va nous aider beaucoup. Chaque fois qu'on va venir, on va laver la main d'abord avant de rentrer. Ça va faire diminuer la maladie.